Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes prêts? 10, 8, 7, chanter à New York, Londres ou San Francisco, les cris des fans à Barcelone ou Rio, brancher les guitares et tous les projecteurs, et la batterie pour faire battre vos cœurs, la goutte d'eau pour mettre le feu aux poudres, jouer plus vite qu'une machine à coudre. On n'est pas des chanteurs en costume cravate, crier plus fort, nous c'est les Dirty Polkas. Est-ce que ça va les amis? Est-ce que ça va? Nous nous chantons tout ce qui est un peu crade. Ça suffit pour être premier au hit parade. Casser, briser, gaspiller ou bien salir, c'est ce qu'on fait de mieux pour se faire plaisir. Quand il se passe un truc dégueu sur la planète, on n'est jamais loin, on aime quand c'est pas net. Nous ce qu'on veut c'est que vos oreilles éclatent. Criez plus fort, nous c'est les Dirty Polkas. Bonjour le Palio, est-ce que ça va? Vous voulez que je brûle des pneus? Pas de problème. De la fumée qui pique les yeux, c'est idem. Que je jette mes ordures où je veux, sur la scène. Je fais de tout ce qui est dégueu mon emblème. J'adore manger des trucs affreux, des OGM. Je ne me lave qu'une fois ou deux par semaine. Je donne la peur aux peureux. Des nuages noirs sur un ciel bleu, c'est tout ce que j'aime. Les grandes sont les beaux discours, on les jette dans les toilettes. On tire la chasse à double tour, le rock c'est pas pour les mauvaises. Les grandes sont les beaux discours, on les jette dans les toilettes. On tire la chasse à double tour, le rock c'est pas pour les mauvaises. C'est pas possible ça, non, je suis désolé, hein. Ça va pas du tout. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites? Non mais attendez, non mais déverser des poubelles n'importe où, brûler des pneus dans la nature, non mais franchement. Non mais ça va pas, vous êtes en train d'interrompre un spectacle. Mais bien sûr que j'interromps ce spectacle, parce que c'est absolument pas possible, c'est une honte. Devant des enfants en plus. Sécurité, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais, attendez. Qu'est-ce que vous voulez? Attendez, jeune homme, brûler des pneus n'importe où, est-ce que vous pensez vraiment que c'est intéressant ça? Ouais!
Non mais déverser des poubelles dans les cours de récréation, c'est bien ça? Ouais. Non? Bah c'est non, pas... c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas ça qu'il faut dire dans les paroles, okay. Alors attendez, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut chanter? Alors, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut chanter, ce pourquoi on est là aujourd'hui, hein, ouais. Eh ben, ce qu'il faut chanter, c'est faire un petit peu attention à la nature. Ah, ben oui. Eh ben oui. Ça fait les chansons, ça? Eh oui. Alors, comme quoi, par exemple? Eh ben, je sais pas. Il faut penser à l'eau, qu'il faut pas gaspiller parce que c'est précieux. Oh, j'ai une idée. Attendez, j'ai une idée. Vous les rockers, ouais. Vous aimez bien les sandwichs, jambon, beurre, cornichon. Eh ben, faites-les chez vous ces sandwichs au lieu de les acheter tout emballés. Ouais. Ils seront bien meilleurs. C'est pas faux. Et puis, buvez l'eau du robinet au lieu d'acheter des bouteilles en plastique. Non mais, oui, non, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que ça, ça fait des bonnes chansons? Bien sûr. On essaye. Vous allez voir. On essaye. Ah, il faut essayer, hein. Eh les amis, on essaye de faire une bonne chanson là-dessus. Non, j'ai pas entendu. On essaye. Bon, d'accord. On y va. Vas-y, vas-y, ça. Bon, je commence. 3, 4. Compris ce que veut cette dame, c'est qu'au milieu de notre rock et nos flammes, on fonce un petit peu plus à la nature pour que l'on parle de notre monde au futur. Pour de bon, pour de bon, est-ce que ça va? Alors tapez dans les mains. Réduire tous les déchets à notre époque, au lieu d'acheter toutes ces bouteilles en plastoc. C'est pourtant simple et pas vraiment compliqué. Remplis ta gourde avec l'eau du robinet. Pour de bon, pour de bon. Et surtout aux États-Unis, qui s'appelle J'ai plus faim, mais je veux quand même du rab. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Quoi encore? C'est encore moi. Écoutez, voilà, pour pas avoir à vous interrompre, hein, elle parle de quoi cette chanson?
Ouais, c'est ça. Ouais, 3, 4. Non, mais jeune homme, c'est une vraie question. Elle parle de quoi, cette chanson? Non, mais vous connaissez pas, j'ai plus faim, mais je veux du rab. Eh, y'en a qui connaissent pas, j'ai plus faim, mais je veux du rab. On connaît pas. Bon alors, madame, j'ai l'honneur de vous expliquer que j'ai plus faim, mais je veux du rab. Oui. Ça dit que nous, les rockers, plus il y en a trop, plus on adore quand il y en a plus trop. Et voilà. Oula. Sophistiqué, ça. Ouais. Par exemple, nous, quand on mange une pizza, ben, on mange une pizza, mais on en achète 8. Ouais. Au cas où. Ah ouais, c'est malin. Ah, c'est malin. Moi, par exemple, j'adore les téléphones portables, j'en ai 12. Et Jackie's back, il a 14 guitares. Ouais, parce que tu voyais, madame, quand il y en a plus, ben c'est mieux. Ah, d'accord, ouais. D'accord. Eh ben, alors, permettez-moi de vous dire, hein, jeune homme, que eh ben, ça va pas du tout. Hein. Ah ben non, ah ben non. Attendez, avoir 12 téléphones portables pour deux oreilles, vous pensez que c'est suffisant, ça? Mais c'est plus à la mode, ça! Mais non! C'est ringard! Respect, madame, respect! Ah, ben respect, je vous respecte, monsieur, mais c'est vos paroles qui sont totalement ridicules. Bon, alors, c'est attendez, ringard! Qu'est-ce qu'on devrait chanter, alors? Ben oui! Ah, ben on devrait chanter qu'il faut faire un petit peu attention à ce qu'on achète, vous voyez? Eh ouais. Ça fait des chansons, ça? Et même qu'il faudrait en mettre un petit peu moins dans l'assiette. C'est pas mal, ça. Attendez. Eh oui, parce qu'il faut arrêter le gaspillage. Ah, le gaspillage. Le gaspillage, c'est ringard. Gaspiller la nourriture, les téléphones portables, mais tout ça, mais c'est plus d'actualité. Alors attendez, imaginez que je change les paroles. Ah. Et que nous, on garde quand même la musique de J'ai plus faim, mais je veux dire... Ah oui, bien sûr. Ah ben ça, la musique rock'n'roll, nous on adore. Hein. On essaye, les amis. Mais alors, voilà, attention. Oh là, facteur. Doucement. Mais, ça va, on vous dérange pas trop, là? Oh, elle est trop lourde, hein, sa sacoche, je crois. Les amis, on va quand même chanter la musique de J'ai plus faim, mais je veux du rab. Mais là, on veut que vous tous, en haut, au milieu, en bas, ouais, vous chantiez super fort avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord? 3-4. Pas une journée sans que l'on use nos richesses. On pourrait
non d'abuser de nos chances avec nous. Bon, d'accord. On y va. Je tricote du jaune, quoi. Ah oui, ça se voit, c'est jaune. Et vous pourriez pas nous tricoter une petite chanson jaune, vous aussi? Quoi? Une chanson jaune. Une chanson jaune. Une chanson sur le sac jaune. Défi! Eh les gars, la dame elle nous donne un défi! Défi! Ouais, défi, ouais, ouais! Défi! Alors allez. Attendez, nous on adore les défis. Vous voulez une chanson sur le sac jaune? Le sac oui. Qu'on a à la maison là? Le sac de tri, oui! Le sac. Mais comment vous voulez qu'on fasse ça? C'est vous l'auteur, hein? Eh, on fait une chanson qui. Waouh! Waouh! Ok, d'accord. Alors, eh les Polcats! Vous vous faites la zikmu, moi je m'occupe des paroles. Ouais, ouais, ouais. Ok. 3, 4. Je vais dire. Mais vous pourriez dire que vous allez raconter l'histoire du sac jaune, qui est le cousin du sac noir, qui va nous aider à sauver le monde. Allez, 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 ça va venir. Ah, ça y est. Ça y est, je l'ai. Je vais vous raconter l'histoire du cousin Germain du sac noir. Mais tous les jours, dans nos cuisines, c'est le sac jaune. Sac jaune. C'est le sac jaune. Sac jaune. C'est le sac jaune. Si pour quelques gens, il est insignifiant, en moins de quelques secondes, on peut sauver le monde avec le sac jaune. En lui confiant nos emballages, nos cartons et nos boîtes en dash, on participe à sa mesure, au renouveau. Tu fais le premier geste, nous on fera le reste. C'est dans quelques secondes qu'on peut sauver le monde avec le sac jaune. Derrière ce petit bout de plastique se cache une drôle de mécanique. On récupère tout ce que tu jettes, même les journaux et les canettes. Tout ce que tu me donnes, tout ce que tu me donnes va dans le sac jaune. On n'est pas obligé tout le temps de faire un Non, ça c'est pas obligé, hein. Faut diversifier, vous voyez. On n'est même pas obligé de chanter des qu'on brûle des pneus, qu'on met de l'essence dans la dordogne. Non, ça c'est pas obligé, c'est même pas recommandé du tout, surtout devant des enfants, hein. Eh oui, ça, c'est... Oh, ben oui. Mais dites-moi. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait chanter un souvenir? Un souvenir? On peut? Pourquoi pas? Non, parce que je vous dis ça que j'ai jamais osé le dire à mes copains, les Dirty Polcats, aux autres. Mais moi, j'aurais vraiment adoré chanter, je sais pas, par exemple, le souvenir de tous ces week-ends que je passais avec mon papy à faire du jardin. Oh, ça serait choupiné! J'en ai des milliers,
de souvenirs. C'était... mon papy, il faisait du compost. Ah, le compost. Toutes ces épluchures avec les petits vers dedans, tout ça, ça macère et ça fait pousser les légumes. Voilà, exactement. Eh bien, mon papy, quand il me prenait le week-end, on faisait donc le compost et lui, il parlait à ses plantes et à ses légumes et à ses fruits en occitan. En patois. En patois ? Ouais. Oh, mais c'est formidable, ça ferait une super chanson, ça. On essaye ? Allez, on y va ! Chemin de pierre, le vieux portail du jardin. Sous son chapeau, mon grand-père, moi au bout de sa main. Un arrosoir de misère et la brouette du voisin. Deux, trois outils pour la terre et l'amour d'un gamin. Là, j'ai manqué tous les deux, j'ai du tout papoté, plein du seul, être heureux, j'ai des loups, des petits moments de rien, moi au bout de sa main. Travailler sous le chêne, sous le galet, pour les âmes l'année prochaine. Des moments de pas grand chose, c'est la vie, je suppose. Herbes et quelques branches. Apprendre l'art du compost les samedis, les dimanches. Ces épluchures qu'on apporte, ce tas sur lequel on se penche. La nature qu'on croyait morte prend ici sa revanche. Être là, j'ai manqué tous les deux. Papoter, la douceur, être heureux, j'ai vu roux, des petits moments de rien, moi au bout de sa main. Travailler, travailler, sous le chêne, sous le sarri, pour les âmes, en bas, les prochaines, l'or béni, des moments de pas grand chose, c'est la vie, je suppose. C'est à mon tour d'être sur le chemin de pierre. À moi de donner l'amour dans le rôle du grand-père. D'apprendre petit les tours de magie que cache le verre. Ce qui est mort sert toujours, c'est la vie, son mystère. J'ai du douille, j'ai du douille, plein du seul, plein du chêne. J'ai mes roues, j'ai mes roues, humour et tout des colons, mais j'ai un petit loup brûlé. Trobolia, Trobolia, Sugori, Sugori, Oduba, Lovini, Lovini, humour et tout des projets, une drôle et sous pambé. Thank you.
C'était un magnifique souvenir. C'était vraiment un beau souvenir. Vous savez quoi? Non. Ça me rappelle ma mamie. Ah ben oui, c'est normal. Ouais. Oh, et ma mamie, ouais. Elle était formidable. Ah ben oui, je m'en doute. Ah oui, oui, oui. Parce qu'à chaque fois qu'on avait un problème, eh ben elle avait une solution. Ah oui. Ah, c'était... c'est pas compliqué, hein. Mais quel genre de problème? Oh, ben, par exemple, ben, vous aviez une petite tache, là, sur le genou, ou alors un bobo... Ah oui, oui, elle prenait sa mobilette et elle allait au magasin, hop, elle allait acheter un produit. Ah non, non, pas du tout. Ah non, elle faisait pas du tout ça, ma mamie. Ben, non, non. Quoi? Non, non, ma mamie, elle avait toujours une astuce, un petit truc... un truc de grand-mère, quoi. Ah ben oui, ça vient de là, le... Mais oui, voilà, ça vient de ma mamie. Super, ouais. Mais écoutez, merci beaucoup, merci d'être venu, merci, à bientôt. Au revoir, merci. Madame. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ose pas vous demander ça. Bon, ben allez-y. Les garçons. Ouais. Oui. Ça vous ennuierait si je chantais avec vous? Oh ben non. Mais pas. Moi j'aimerais bien. Non, j'aimerais mais bien. Pas. Mais oui, mais. Moi, je veux bien qu'on fasse du rock, on fait une chanson, tout ça, mais... Non, non, mais du rock, hein, du ouais, rock. Mais bon, il y a quand même un problème, quoi. Ah oui, il y a ça, madame... Ouais. C'est pas très rock, quand même, comme elle est habillée, la dame. Oh non. Attendez, j'ai une idée. C'est quoi votre taille? D'accord. Un blouson de cuir. Et une gratte. Oh ouais. Et j'ai un petit t-shirt rigolo qui brille en dessous, peut-être je peux... Qui brille, ouais, oui, qui brille. Vas-y, vas-y, oui, ouais. Je vous montre. Oh. Ah, rock and roll. Oh, madame. Ça va? Oh, madame. C'est vrai que ça brille, hein. Attendez. Vous n'avez pas mieux? Ah non, j'ai que ça. Bon, mais ça va très bien. Bon. Essayez ça. Oh là là. Je suis impressionnée. On va essayer d'en faire une rockeuse, mais on part de loin. Ah, j'ai encore une idée. J'enlève ça. Hop. Waouh. Ah ouais, quand c'est même. C'est mieux. Ah, impressionnant. Prenez ça. Donc oh. Attendez, je résume. Vous voulez une chanson rock? Ouais. Sur votre mémé? Ouais, sur ma mamie, ouais. Eh hey, les gars, ouais. J'ai une idée. Mémé dans les orties. Ouais. C'est bien ça. Ah, c'est bien! On est là? Je vous lancez, hein? Nous, oui, on fait la musique et vous débrouillez, hein? D'accord? Eh, Richie! Okay. Eh, hey, 3-4! Vous êtes prêts, les amis? Ouais! Oh non, non, non! Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! 3-4, c'est parti! Tu peux prendre un vieux taco, c'est toujours une bonne voiture. Tu peux prendre un vieux babouin, il t'apprendra des grimaces. Tu peux prendre un vieux copain pour te sortir de la passe. Il faut pas pousser Mémé dans les orties. Elle a quelque chose à t'apprendre, des trucs pour un non, pour un oui. Pas pousser dans les orties. Mémé, c'est toujours ce qu'il faut faire pour un jour. Y a deux.
j'ai adoré. Madame, oui. Hey, les gars, je sais pas vous, mais vous avez vu l'heure, moi je sais pas, mais moi j'ai faim. T'as faim? J'ai faim, t'as vu l'heure? Tu veux manger alors? Ouais. Eh, ça tombe bien, on a acheté des bons becs. Mais les copains, vous pouvez nous amener les bons becs? Ça, c'est le paquet que j'ai acheté moi. Ça, c'est mon paquet. Oh, il est nul le tien. Ah, il est vachement bien. Le mien, il est plus bon. Je rigole. Ouais, enfin. Prends cela. J'ai faim. Prends cela là. Mais pourquoi prends cela là? Pourquoi prends cela là? Celui-là, parce que d'abord, il est plus beau. Ah. Et après, il est plus cher. Ah, voilà. S'il est plus cher, ça veut dire qu'il est meilleur. Non, non, s'il est plus cher, ça veut dire que c'est parce qu'on en a parlé à la télé. Oui, ah, bah oui. Et puis, voyez celui-là. Il y a encore du boulot, hein. Ils n'ont pas encore tout, hein. Je comprends pas. Ah, je vous explique. Celui-là. Oui. Hein, voyez, c'est comme si, là, par exemple, en plein été, je mettais un bonnet sur ma tête et puis un autre bonnet par-dessus. Bah oui, vous diriez, fada. C'est ça que vous diriez. Et bien là, c'est pareil. Comment ça? Mais c'est pareil. Là, voyez, il y a les bonbons. Autour des bonbons, il y a un paquet. Et puis autour du paquet, il y a un autre paquet qui sert à rien. Voyez? Vous voulez dire qu'il est plus cher parce qu'il y a plus d'emballage? Et voilà, il y a plus d'emballage. Et puis ça s'appelle le suremballage. Et le suremballage, ça fait grossir les poubelles. Oui, mais ça veut pas dire que les bonbons, ils sont meilleurs? Mais ça n'a rien à voir, jeune homme. Ah bon? Qu'est-ce qui compte, hein, là? Qu'est-ce qui compte? C'est les bonbons qu'il y a dedans. Ah oui. Hein? L'important, c'est ce qu'il y a dans le paquet. C'est pas le paquet. C'est pas faux. On les mangera tout à l'heure quand même. Mais oui, on les mangera tout à l'heure. Mais ceux-là, en tout cas, on s'en débarrasse. On les achète plus. Donc en fait, vous me dites que c'est au magasin qu'on doit réfléchir, quoi, en fait. Mais bien sûr, faut réfléchir à ce qu'on achète. D'accord. Hein? Parce que ce qui est important, hein, c'est ce qu'il y a dans le paquet. C'est ça, l'essentiel. Thank you.
c'était beau. Voilà le facteur. J'adore mon facteur. J'ai du courrier, monsieur le facteur. Il y a de la pub. De la... Non, mais je voudrais vous courrier. Il n'y a que la pub. Oh non. J'attends un colis. Il y en a marre. Non, moi j'ai un colis. Il y en a marre. Oh non, pas de la pub. Moi j'adore mon facteur, mais j'aime bien quand il m'apporte des lettres. J'en ai marre d'avoir de la pub tout le temps, là, tous les deux jours, la boîte aux lettres. Il y a de la pub partout. Ras le bol. Qu'est-ce qu'on peut faire contre toute cette pub-là? Bah, il n'y a qu'une solution, hein. C'est quoi? Le stop. Le stop pub. Oui. Le stop pub. Yeah. Le stop pub. 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 Sur les télés, écran plat coin carré, cadeau et carte fidélité, surtout ne pas résister, 50% sur les jouets et la pâte à modeler, y'a un gratuit pour deux achetés, c'est de la publicité. Facteur, facteur, je ne veux plus de pub dans ma boîte aux lettres. Facteur, facteur, tu te sentiras plus léger sur les kilomètres. Dans ma boîte aux lettres. De la pub. Dites-moi, dites-moi, chère madame, qu'est-ce que je dois faire si jamais j'ai encore de la pub ou plus généralement des papiers à jeter? Ah ben, il n'y a qu'une solution, hein. Le sac. Ils le savent. On peut mettre du papier dans le sac jaune. Ah mais, tous les papiers vont dans le sac
jaune. Tous les papiers se recyclent. Tous les papiers sont recyclables. Ah non, moi je suis pas là. Vous n'en avez pas. Ah. Excusez-moi, je suis pas du tout d'accord. Il est hors de question que je me serve de papier qui a déjà servi par quelqu'un d'autre. C'est dégoûtant. Oh. Et pas le papier pour les cabinets. Évidemment. Mais dites-moi là. Oui. En fait, vous nous conseillez de ne pas tout le temps jouer « Ah non, 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 non !» Non, non, ça, c'est pas nécessaire, ça. Il faut diversifier, voyez. D'accord, il faut diversifier. Ça veut dire que, donc, on arrête les paroles où on brûle des pneus, oui, oui. Oui, non, ça, c'est has-been, ça, voyez. D'accord. Ouais, ouais. Surtout devant des enfants, hein. D'accord, d'accord. Bah, ouais. Et vous pensez que ça peut marcher? Ah oui, mais ça peut marcher. Attendez, je vais vous débarrasser, là. Ah oui, s'il vous plaît, oui. Hein, tenez. Vous pensez que ça peut marcher de changer les paroles? Ah oui. Ah ben bien sûr. Là, vous faites comme vous avez fait aujourd'hui, vous allez faire un tabac. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que, vous savez, nous, en Dordogne, ça fait 20 ans que ça marche. 20 ans? Oui, monsieur. Ça fait 20 ans que le SMD 3 nous apprend les bons gestes pour trier nos déchets. 20 ans. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Mais en fait... Tout ça là, tout ce que fait le SMD3, tout ce que vous faites ici en Dordogne, vous le faites pour quoi? On le fait surtout pour qui? On le fait pour nous. Ah, vous le faites pour vous? Ah, pour nous tous là. Non, non. Comment pour ça, nous aussi? Mais bien sûr, pour vous aussi. Mais oui, parce que la planète, il faut en prendre soin. Elle est fragile. Parce qu'après tout, la Terre, dans tout l'univers... C'est la seule à pouvoir nous accueillir. Alors faut y faire attention. Vous y penserez? Depuis l'Himalaya au Kilimanjaro, les chutes du Niagara au fleuve au Kavango. Si tu voyais ce qu'il y a du beau. Voyez tout ça, du verre et puis de l'eau. Il te faudrait des ailes dans le dos pour voir la terre du ciel comme un nuage ou un oiseau. Tout là-haut, dans le bleu, tout est plus beau. Tout là-haut. Ni de drapeau, tout là-haut, où les fleuves sont des ruisseaux, tout là-haut, rien que du vent sur ta peau. Une tour dans des bureaux. Si tu ne vois le soleil qu'à travers des barreaux, ou si tout est offert sur l'argent d'un plateau, ou alors la misère, le plan des hôpitaux, même sans les ailes dans. Les merveilles, rien que du vent sur ta peau, avec nous bien fort. Tout là-haut, dans le bleu, tout est plus beau. Tout là-haut, pas de frontières ni de drapeaux. Tout là-haut, où les fleuves sont des ruisseaux. À vous tout là-haut. Rien que du vent sur ta peau, bien fort.
Mais qu'est-ce que vous chantez bien ! Tout là-haut, dans le bleu, tout est plus beau. Pas de frontières ni de drapeaux. Là-haut, où les fleuves sont des ruisseaux. Rien que du vent sur ta peau. Madame, il faut qu'on vous remercie. Merci, merci beaucoup, vous êtes Moi, je suis Madame Isabelle. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Et tant qu'on en est au remerciement, les amis, merci de nous avoir appris tout ça. Et tant qu'on en est au remerciement, il est temps d'adresser un immense merci au SMD3, le syndicat des déchets de la Dordogne, ses deux coprésidents, François Roussel et Francis Colbach, de nous avoir permis de vivre une si belle journée. Merci beaucoup. Ouais. Un grand merci. Un grand, grand, grand merci au groupe de travail et à tous les adhérents qui ont participé à l'élaboration de ce spectacle. Un grand merci au centre Leclerc de Trélissac et la ville de Boulazac de nous avoir permis de faire ça au Palio et de pour l'organisation des bus. Un immense merci à Christian Alazard, c'est quelqu'un qui est très important. C'est le metteur en scène et c'est lui qui a construit cette belle sphère. Un grand merci à la Compagnie des Arts Modestes, à Ariane Productions, à V Musique, à FL Organisation pour la Technique et Audiophile. Merci les amis, ils sont plantés partout, ils sont extra. Oh là là. Oh là 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 là. J'allais oublier le plus important de tous les merci. Eh oui. Oh là 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 là, j'allais oublier. Un grand merci à vous d'être venus aujourd'hui chanter avec nous! Un grand merci à tous d'être venus nous voir. On va reprendre notre tournée mondiale sur les plus belles scènes des plus grands festivals. On gardera ce que vous nous avez appris dans nos concerts à New York ou bien Paris. On n'est plus obligé pour chanter le rock de dire des choses horribles à notre époque. Merci beaucoup. Vous réduisez vos poubelles et plus encore. On donnera votre exemple au monde entier. Promettez-nous juste de continuer. Débrancher les guitares et les projecteurs. Ranger la batterie, les synthétiseurs. Nous ce qu'on aime c'est quand vos cœurs s'éclatent. Criez plus fort, nous c'est les Dirty Polkats.
Merci beaucoup.